Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 10h30, puis c'est un vlog surprise aujourd'hui parce que hier, j'avais pas dit que je vloguerais. J'étais pas censée vlogger. C'est drôle. Fait que je suis pas arrangée rien partout parce que ce soir, on va faire les tisseries. Puis je vais m'entraîner avant. Fait que je me suis pas arrangée du tout. Allô, Elliot. Bonne journée. Ouais, hier, j'ai monté un vlog, je me suis dit, ah, demain, je pourrais vlogger encore, là, vu que j'en ai un de monté, puis que, tu sais, j'étais bien partie. Fait qu'on a décidé qu'on allait vlogger aujourd'hui, hein, Elliot? Puis des muffins. Ouais. Fait que là, on devrait faire des muffins. C'est la recette qui vient de l'application Weight Watchers, mais c'est Michelle, c'est quoi dans sa page Facebook? Michelle... je vous mettrai sa page Facebook en description en bas, mais c'est elle qui l'a proposé ce matin, qui nous a dit c'est sûr que je fais ça, sauf que moi, peut-être aux pépites de chocolat, je vais les faire au bleuet. Fait que dans le fond, c'est des muffins avec un petit peu de farine, de l'avoine, un peu de la pâte, 3 bananes, d'avoine, je l'ai dit. Je pense que c'est pas mal, des cocos. C'est pas mal juste ça, fait que c'est un point par muffin. Fait que ça, on va faire ça. Puis, après ces pépites de chocolat, nous, on va mettre des bleuets parce qu'il reste beaucoup de bleuets qu'on a achetés au Costco qui sont pas bons à manger comme ça. Ils sont un peu surettes. Puis aussi, je vais mettre du cacao croquant comme ça, épicure, que j'avais dans mon calendrier de l'avant. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je m'en recommande parce que mon pot, il est vide, puis il me reste juste ce que j'avais comme échantillon. Fait que c'est ça qu'on fait ce matin. Après ça, il est déjà 10h30. Je veux faire cuire mes petits pois pour mon quinoa là, ce midi. Puis j'aimerais ça peut-être faire une batch de bagels là, aussi. La liste est très faite, le menu est planifié pour la semaine prochaine. OK. Puis je vais regarder ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine aussi. Puis ben, c'est pas mal ça pour ce matin. Donc nous, on se lance dans nos petits muffins. Oui. Bye. Go, Elliot, go! Bye, bouillonnée, go, maman! Bon, ben nos petits muffins sont au four, fait que ça donnait 12 muffins, mais là j'ai comme pas le mode de préparation, je sais pas c'est à combien de temps, fait que j'ai mis ça à 350, une quinzaine de minutes, je vais aller surveiller. Là, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait, Elliot? Des bagels! Bagels! Fait que les fameux bagels, le White Patches, que genre, j'aurais de faire le tour de la planète. La recette est rendue comme vraiment, vraiment, vraiment populaire. C'est fou. Fait que. Là, je vais faire. J'ai juste de yogourt faire une batch parce que ça va faire 6 bagels. Mais là, je me demande si je les fais toutes à la même affaire. Ouais, ça va être plus simple. Ok, ouais. Fait que, c'est ça. Je vais faire des bagels avec mes super épices épicures. Bagels plein goût comme ça qui sont juste trop bons, c'est genre les meilleures épices à bagel que vous pouvez manger toute votre vie. Ça goûte à toi, bon. Tu vas tout goûter à ça. Et à mettre tout ça. Ouais, tu vas mettre ça là-dessus. Dans le fond, là, ça, j'en ai déjà parlé, je suis pas mal certaine, mais c'est sûr, j'en ai déjà parlé. Mais dedans, il y a des graines de chia, des graines de sésame, de l'oignon puis de l'ail. Là, vous allez me dire, ouais, mais les graines de chia, on les compte avec Weight Watchers, mais. Il n'y en a pas assez là, pour dire qu'on va les compter. C'est comme dans mes muffins, j'ai mis du cacao croquant. Puis dans ça, il y a du chia aussi, il y a du cacao. Mais c'est pas une assez grosse quantité pour le compter. C'est comme mon lait dans mon café le matin. J'en mets tellement pas beaucoup que je le compte pas là, dans mes points. Fait que. On l'ouvre pas, il y a ça va tomber partout. Est-ce que t'es prêt? T'es-tu prêt à m'aider? Ok, donne-moi ça. Et alors, ça met tout. Ben oui, mais avant, il faut le mélanger. Mais il faut l'essuyer comme il faut le plat parce que la farine elle va coller dans le fond sinon. Ok? Es-tu capable? Ouais. Essuie l'eau dans le fond. C'est bougalasse. Puis aussi, je fais bouillir de l'eau dans un chaudron parce que je veux faire cuire mes petits pois parce que je les ai comme toutes lavées dimanche pour mes pluettes, mais je les ai pas faites cuire. Puis ce midi, dans le fond, il me reste du quinoa. Fait que je vais prendre mon restant de quinoa. Je vais mettre mon restant de nouilles et d'haricots d'hier que j'avais mangé avec mes pâtes là. Puis, je vais mettre des petits pois comme ça. Fait que ça va me faire une salade. Et maman. Merci. Une salade de quinoa. Puis, vu que j'ai plus de poulet, j'ai plus de crevettes de piquet, ben, je vais mettre. Il me reste 2 œufs à coque que je vais couper en morceaux que je vais mettre dans ma salade. Fait que c'est ça. On va faire des fameux muffins, des fameux bagels. Fait que pour celles qui connaissent pas la recette, c'est une tasse de farine, une tasse de yogourt grec nature 0%.
avec une pincée de poudre à pâte, puis vous mettez ce que vous voulez sur le top. Là, moi, je mets pas de... Le monde met du blanc d'œuf pour les faire dorer, mais moi, j'en mets pas parce que je suis trop lâche. Je mets juste des épices. Puis c'est combien? C'est à 300? 325, 20 minutes. C'est 20 minutes, Olivier Gaud a dit non, les vieux de bord. Mais c'est à 325 ou 350? Sûr. Enfin, j'allais voir. En tout cas. Mais c'est ça la fameuse recette bagel que tout le monde capote. On va faire ça. Hello, hello. Il est midi 10, puis ma papote est finie. Fait que j'ai fait des bagels. Finalement, oups, regarde, c'est pas plus bleu. Finalement, j'en ai fait 8 parce qu'il me restait comme plus de yogourt grec. Fait que dans le fond, j'ai mis une tasse de yogourt grec, une tasse de farine. Ça m'a donné 8 bagels. Puis c'est ça. Ils sont bien beaux. Mais on dirait qu'il me manque encore de cuisson dans le milieu. Genre, j'en ai craqué un, là. Ils sont comme... Mais je peux pas les laisser cuire plus longtemps. Ils vont être brûlés. Mais je me dis que là, ils vont reposer. Puis ça va être moins pire, là. Mais ils sont super bons. Puis les muffins, Elliot en a mangé 2. Ils sont vraiment beaux, ils sont tous moelleux. Ils ont collé sur mes papiers. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Puis j'en ai des moules en silicone, puis j'ai de la misère, on dirait que ça colle tout le temps pareil. En tout cas, c'est parce que mon moule, il est pas bon. Fait que c'est ça, je vais faire la vaisselle. Charlie va arriver bientôt. Mon dîner à moi, il est prêt. Je l'ai mis en frigo, je vais vous montrer ça. Je me souhaite une salade, comme je vous disais, avec du quinoa, des légumes. J'ai vidé un peu ce que j'avais dans le frigo. Ok. Fait que j'ai des nouilles de zucchini, des haricots, j'ai du feta, du quinoa, des petits pois, j'ai des cocos. Puis je me suis pris aussi des piments dans un autre bol. J'avais un piment qui n'était pas coupé. Fait que je me suis coupé ça. Puis, genre, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on parlait en privé sur Instagram. Puis elle me disait, tu passes vraiment 30 cocos par semaine. Mais ouais, je passe 30 cocos par semaine. Je l'ai acheté mercredi, puis il en reste 3. Mais sûr que ça coûte 3 dans les muffins, ça va vite. J'en ai fait chauffer pas mal. J'ai fait beaucoup d'œufs à coque. Elliot a mangé ça ce midi aussi. Alex a amené son lunch. Moi, j'en ai mangé. Je mange ça tous les matins. Fait que, ouais, des cocos aussi. C'est comme du lait. Des cocos et du lait, là, on en passe en tabarnouche. Fait que là, c'est ça. Je vais faire la vaisselle en attendant Charlie. Je vais lui faire un grilled cheese pour dîner. Après ça, je vais manger. Je mets Elliot dans le bain. Puis je vais aller me préparer un petit peu. Pour faire l'épicerie. C'est ce qu'on fait. Fait que. C'est ça! Plus tard! Elliot a pris son bain. Il fait des beaux casse-tête. Il va-tu là, lui? Non, hein? Ils sont collés. C'est bon! Oui! Alors, regardez ça, je viens d'avoir un méchant coup de cœur pour la nouvelle collection de sport de chez La Senza. Oh my god, il est trop beau celui-là, là, je capote, il est vraiment beau, il est comme tout en filet dans le décolleté. Oh, il est aussi beau, les leggings, oh my god, ils sont vraiment pas chers là. En ce moment, il y a comme plein de tops, lui, il y a plein de tops en spécial à 10$ celui-là, là. Il est vraiment hot, lui là. Ah, c'est beau! Je sais pas depuis quand ils ont ça. Je sais pas s'ils les ont eu dans tous les magasins. Ah, les tops sont tous à 10$. C'est pas grave, Coco. Ok, j'arrive. En tout cas, c'est bien, bien hot. Salut! Il est rendu 3h40. Puis, qu'est-ce que tu fais, toi? Finis ton casse-tête. Elliot fait encore des casse-têtes tout nus. Fait que je peux pas vous le montrer. Ouais. Ben, c'est bien confortable de faire les casse-têtes, les fesses à l'air. Fait que c'est ça qu'il fait. Moi, je me suis préparée un petit peu. J'ai bu mon café. C'est important, j'ai bu mon café. Pipi, que j'ai fait. Ah, ben, je vais passer la balayeuse. C'est là que je t'ai rendue. Là, je vais vous montrer de quoi que j'ai l'air mon épicerie. Ma liste d'épicerie. Puis ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Fait que ma liste d'épicerie, elle a l'air de ça. J'emmène mon coupon. Je sais pas s'il va en avoir au Walmart, mais j'ai reçu ça pour tester les nouvelles crèmes glacées. Fait que. Moi, j'aimerais bien savoir celle biscuit et crème. En tout cas, j'ai mis mon petit coupon. Ma liste d'épicerie a l'air de ça. Elle est pas super grosse, mais tu sais, il y a tout le temps des trucs qui se rajoutent une fois là-bas. Tu sais, comme moi, les fruits, les légumes, j'y vais avec ce que je veux absolument. Puis rendu là, j'y vais avec ce que je trouve, là. Parce que j'en achète comme tellement beaucoup que
c'est dur de faire une liste complète, là. Fait que je fais toutes les rangées, puis je prends ce que j'ai besoin. Sinon, j'ai besoin de tomates broyées, puis je vais faire de la sauce marinara. Tu sais, de ce fromage, lait, des trucs à porte à dents, des hauts, des affaires de même. Puis, pour la semaine prochaine, j'ai prévu une soupe aux fajitas au poulet. C'est ça. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est des recettes Weight Watchers. Celle-là, puis celle-là, c'est sur un blog Weight Watchers. C'est des egg rolls déconstruits. Et je vais faire ça. Je veux faire les croquettes de thon dans le livre Maigrir 2 que je suis censée faire cette semaine que j'ai pas fait. Poisson plus sauce marinara, ça va être du poisson blanc. Puis la sauce marinara, j'achèterai pas de sauce marinara en pot comme je fais habituellement. Je vais faire la recette épicure parce que j'ai un pot d'épices marinara que j'ai jamais utilisé. Puis mon amie Michelle, elle l'a fait, puis elle a inscrit que c'était 0 point. Fait que j'ai écrit à Michelle pour être certaine que c'est vraiment 0 point. Puis elle me l'a confirmé. Hey, je parle bien sur le bout de la langue, moi. OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, je fais cuire du poisson blanc, puis je fais cuire en poêle, puis je le fais réchauffer dans la sauce marinade, c'est vraiment bon. Cette sauce-là, si elle est à 0, ben garde. Hein. C'est mieux que l'autre sauce à 4 points pour une demi-tasse. Fait que c'est ça, là, j'attends Charlie. Charlie n'est pas au courant qu'ils vont manger au resto. Fait que moi, je suis bien contente parce que ça va me permettre de, genre, juste cleaner mes comptoirs. J'aurais pas de vaisselle à faire, ben j'ai comme juste 2 assiettes à laver. C'est pas mal ça. Alex finit à 4h, je vais aller habiller Elliot, puis je vais comme tout cleaner la maison comme il faut. Fait qu'on va revenir ce soir, ben, ils vont pouvoir aller se coucher direct. Ben, se coucher, en tout cas. D'être sûr qu'on revient, c'est pas mal l'heure d'aller se coucher pour eux autres, fait que... C'est ça, il est vraiment drôle. Il est rendu super bon des casse-têtes. Pour vrai, il fait des casse-têtes de plus en plus difficiles. Puis tout ça, il fait un casse-tête géant en ce moment. Puis il l'a sorti lui-même. Il a tout mis les morceaux. Puis ça prend toute ma table. Mais c'est ça, je peux pas vous le montrer. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, je vais vous dire bonne soirée. Puis je devrais pouvoir vous remontrer mon épicerie tantôt. Là, moi, c'est vraiment comme le gros. Ce serait l'enfer. Des fois, quand on vient d'épicerie, le soir, quand on l'a fait le soir. Je sais jamais à quoi m'attendre. Ça peut être quelque chose. C'est ça. Fait qu'à tantôt. Salut. Salut. Fait que, il est rendu 7h30 puis je me dépêche à vous montrer l'épicerie parce qu'après ça va être les dodos. Fait que, par où je commence? Ah. Oui. Je me suis acheté une aigrette comme ça, tomate confit et organ. Fait que ça, c'est juste pour venir changer un peu. Je prends tout à la même, mais celle-là est 1 point pour une cuillère à soupe. Fait que c'est pas pire. Du lait crémé. 2 bouteilles d'eau comme ça, SK à l'orange. Ça doit être à l'orange. Ouais, c'est ça. Je me disais, être orange, elle doit être à l'orange. Ensuite de ça, j'ai acheté de la ballonnée pour les enfants. Ça fait comme 3 semaines qu'ils me réclament de la ballonnée. Fait que je leur ai acheté de la ballonnée. Ensuite de ça, des épinards. Je peux pas vivre sans mes épinards. Des oignons verts. J'ai des choux de Bruxelles, des carottes, ma drogue de carottes. Ensuite, j'ai 3 cocombes, comme ça. Ils étaient pas chers, les cocombes, au Walmart cette semaine. C'était, je pense, 97 sous. Toujours même. Champignons. Céleri. J'aimerais bien ça faire la sauce tomate boostée de cuisine futée. C'est ça, j'avais plus de céleri. Non, y'a-tu de céleri dedans? En tout cas, je suis pas sûre de ce que je dis, là. Banane. Ça aussi, on en mange vraiment quand c'est industriel, des bananes. Ah, oh, c'était les céleri, là. Oh, je vais manquer de place. J'ai acheté une courge spaghetti. On a 2 citrons. J'ai acheté un mélange comme ça de carottes en julienne. Dedans, il y a aussi des navets et du brocoli. C'est pour faire mon egg roll déconstruit là, que je vous ai parlé tantôt. Je cherchais un mélange carotte-chou, il n'y en avait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celui-là et je me suis acheté un chou que je vais hacher. Ça devrait être correct, ça devrait faire la job. J'ai acheté les pains flat out. Je déteste ce nom-là, là. Ça me fait penser à flatulence. En tout cas, j'ai acheté ça, j'ai pris celui multigrain avec multigrain et lin. Puis fouillez-moi pourquoi il y avait un pain de moins que dans le blanc. En tout cas, j'ai pris celui-là.
J'ai acheté du marbré pour Alex et les enfants. Moi, je prends de l'Allegro, mais il n'y en a pas au Walmart. Fait qu'il faut que j'aille au métro en chercher. Hein? Ton yop, attends, il est dans le frigo. Non, il est là, mais il faut que je donne une autre part. Il attend un petit peu. J'ai acheté un paquet de poutine. De poitrine de poulet. Des clémentines. Attends un petit peu. Parce que je l'ai jeté la paille. Demande à Charlie qu'elle t'en mette dedans, s'il te plaît, OK? Ouais. La paille. OK. Fait que j'ai acheté aussi pour demain midi deux petits lunch, comme ça les enfants ils trippent là-dessus, puis ça me donne un petit break. Des raisins verts pour les enfants. Moi, je suis pas très raisin. Pour vrai, ça me... J'ai jamais trippé ces raisins, c'est bizarre. C'est ça. Les petits crotons comme ça, c'est vraiment pratique. C'est 2 points par petit cup. C'est plus cher qu'à d'acheter un cup de crotons. Mais c'est déjà calculé. Fait que moi, j'aime bien ça. J'ai pas comme à prendre ma cuillère à soupe et dire une cuillère à soupe. Tu sais, je prends mon cup. Je sais que mon cup, c'est 2 points. Ça finit là. J'aime bien ça pour ça. C'est du la fleur. Puis, ben bon. Je me suis acheté du beurre d'amande. Parce que j'en achète jamais. Je trouve ça super cher. Au Costco, c'est pas j'en ai pas acheté. Puis là, cette semaine, j'avais même beurre de peanut pour moi. Mais les enfants voulaient pas avoir de naturel. Fait que je me suis dit, bon, je vais m'acheter du beurre d'amande. Puis eux, je leur ai acheté le crémeux comme ça, léger, là. Mais ils voulaient pas avoir de naturel. Fait que j'ai fait un compromis. Je me suis pris lui pour moi. Ouais, le lait pour le dodo, ça sera pas long. Bien, papa, il est dans la douche, là, il s'en vient. Ensuite. Philadelphia léger. Encore une fois, c'est pour les enfants. Ils aiment bien ça, les toasts au Philadelphia. 2 jus orange, 1 jus d'orange, puis 1 jus pêche clémentine. Et là! J'ai envie de pipi, maman. J'ai envie de pipi, vas-y. 2 soupes tomates. Papa, il est là. Blé d'Inde. Petits pois. Les petits pois, c'est Alex qui prend ça. Moi, j'aime pas ça, les petits pois en calme. Oui, je vais y aller l'essuyer. Ouais, je vais l'essuyer. J'ai acheté du bacon de dinde, mais là j'ai pris. Il est nouveau celui-là. En tout cas, au Walmart à moi, mon Walmart, il l'avait pas celui-là. C'est celui. Réduit en sel, voyons. La seule, je prends le paquet bleu foncé. Puis il est réduit en sel, fait que j'ai pris celui-là. Puis c'est pour ça que je me suis pas acheté de jambon ou de dinde en tranche cette semaine. Je vais prendre du bacon de dinde. Après ça, j'ai pris 2 cannes comme ça de tomates broyées pour faire la sauce marinara des piqûres. Les enfants ont chacun un yop aux pêches. Compote de pommes pour faire des desserts. Parce qu'il y a qui ne mange pas celle en pot. Il prend celle du Costco là, en sac. Là. Wow, OK. C'est comme placé de même. Fait que la compote, c'est pour cuisiner. Je prends la sans sucre. J'ai acheté deux paquets de yogourt aux bananes. Puis un à l'orange. C'est 4 points un yogourt grec comme ça. Mais vu qu'il m'a sauté beaucoup de points en fin de journée... Je me disais que ça pourrait être le fun de manger un yogourt grec. C'est moins pire que de manger de la junk ou n'importe quoi d'autre. Là. Je vais aller essuyer le petit garçon. Je reviens. OK! Fait que ça, les... C'est quoi je disais? Les cups de yogourt grec, ça, c'est 4 points par yogourt. Sauf que... On attend une minute, s'il te plaît, OK? Mais un cup, c'est ça, c'est 4 points. Sauf que ça fait une belle collation. Là. C'est moins pire que de manger n'importe quoi. T'sais, c'est un yogourt grec. C'est sûr qu'il y a du sucre parce qu'il y a une saveur, mais... quand même pas pire comme collation quand il te reste des points à la fin de ta journée. J'ai acheté pépites de chocolat au lait, pépites de chocolat noir. Ouais, je sais. On va y faire dodo. Flocons d'érable, j'en avais plus. Je sais que c'est plus rentable de les acheter au Costco, mais j'avais pas fait au Costco cette semaine. Papier alu. Après ça, j'ai 2 douzaines d'œufs. Il y a pas de moule. Il y a d'autres que tu sais pas comment. Ah, ben papa va te l'arranger, lui, il sait comment. 2 douzaines d'œufs. Là, je vais vous changer d'armoire, OK? On change de place. Après ça, pinceau pour le plancher. Du lait tout de suite. Du lait tout de suite, OK. RTL aux agrumes pour la salle de bain. Et lâche tes fesses. Un gel de douche. J'ai pris celui nettoyant corporel citron rose et mandarine. Je sais pas, je trouve que ça fait printemps. Oui, un yop. Listerine. Maman. Je me suis acheté une petite brosse comme ça, tu sais, pour quand t'as juste une assiette à laver ou je trouve ça pas pire. J'ai pas à faire couler tout mon lavabo.
puis un dos, puis un poupou, puis un pantalon, puis un lave du douille. Ouais, on a tout acheté ça. Oui. Fait que j'ai acheté ça. Tu as tout un super gros dé au 15 ans d'ailleurs. Oh, papa, il a fini, Eliott. On a acheté des poils. Ouais, ouais. On a acheté deux poils. J'ai acheté une grosse comme ça, puis une petite pour goûter les cocos. Je trouve que c'est pratique là, comme plus petit, parce que souvent, c'est juste un œuf. Mais c'est le deal qu'on a eu, c'est vraiment hot là. Okay, attendez, j'ai ma facture. La grosse poil valait. Elle valait combien la grosse? 70? 60. On l'a payé 17. Puis la petite, elle valait 40. On l'a payé 10. On a sauvé 73$. Puis aussi, je me suis acheté un t-shirt. Un t-shirt de semaine, parce que c'est ça. Puis j'ai baissé d'un point. Je suis bien contente. Il est tout gris, là. Il est bien ordinaire. Fait que j'ai baissé d'une grandeur. C'est ça pour l'épicerie! Ah, puis j'ai pris cette crème glacée là avec le coupon gratuit là, que j'ai reçu cette semaine. Puis il y avait les trois sortes. Ils étaient toutes là. Ça vaut 4 et quelques. Le même prix que l'autre, là, à l'eau top. Mais juste trois sortes comparativement à l'autre qui a beaucoup plus de sortes. Là. Ici, il y en avait juste 4 au métro, au maxi, mais en temps normal, il y a plus de sortes. Celui-là, il y a juste trois sortes. Puis c'est aussi 4 points Wet Watchers pour une demi-tasse. Fait que c'est chaud, j'ai pris biscuits et crème. Je vais goûter puis je vous en reparlerai. Bon, ben là, je vais conclure ça. Moi, je vais aller prendre ma douche. J'ai pas soupé encore. Ben, j'avais mangé une barre de protéines. Là, il était 3h30, 4h, je sais pas. Puis dans l'auto, j'ai mangé un sac de poivrons rouges. Les enfants puis elles ont mangé du McDo. Fait que je voulais être certaine de pas mourir de faim. C'est ça, j'ai mangé ça, fait que j'ai même pas faim encore. Là. Je vais prendre ma douche avant, puis je vais attendre de ressentir un peu plus la faim, puis je vais me faire une espèce de... Je pense que je vais manger un bagel avec un petit peu, avec du croton, puis un œuf. 2, 4. Ouais, c'est ça, il me reste 8 points, fait que... Puis j'ai goûté à la crème glacée, là, genre une cuillère. Puis c'est bon, vraiment bonne. Il y en a qui m'ont dit qu'ils préféraient à l'eau top. C'est à l'eau top ou à l'eau hop? En tout cas, l'autre, il y en a qui ont préféré celle-là. Moi, va falloir que je goûte à plus qu'une sorte, je pense, pour vraiment avoir une idée fixe, là. Mais celle-là, elle est vraiment crémeuse, elle est super crémeuse. Elle est vraiment bonne. En tout cas, fait que c'est ça, là. On finit là-dessus. Je devrais... Mais je sais pas, je pense pas vlogger demain, parce que pour vrai, faut que je fasse du montage, ça n'a même pas de sens, là. Faut vraiment que je fasse du montage, ça... Attendez-vous à avoir comme une coupe de vlogs. Tout back à back les prochains jours. Ben là, quand vous allez voir celui-là, c'est parce que la vague va être finie, là. Mais il faut vraiment. Je vais en publier pas mal au cours des prochains jours. Fait que. Tenez-vous prêts. Fait que c'est ça. Là-dessus, je vais vous dire bonne soirée. Puis on va se reparler, ben, plus tard. Ben, une autre fois. Une autre journée. Plus tard. Salut.